Ouais, je suis bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très bien. Regardez-moi cette coupe. Hein? Voilà. Donc, je suis allé chez le coiffeur. Je suis pas encore allé chez lui, celui qui fait les contours. Mais vous voyez ma beauté? Hein? Vous voyez ma beauté? Bande de jaloux. Oh là là, la haine. La haine qui va commencer à sortir. Elle a qu'à sortir de votre corps. Et admettez que c'est moi le plus beau du monde, de la Terre, de la planète et même de l'univers. On ne fait pas Mister Univers, on fait Miss Univers pour les femmes, parce que, voilà, elles ont besoin d'être valorisées dans la société patriarcale où c'est que les hommes qui donnent des points. Mais là, regardez, imagine, on fait l'homme le plus beau de l'univers. Qui va gagner encore une fois? Hein? Si ce n'est pas moi. Mais bon, bref, on ne va pas rentrer encore une fois dans une guerre que je vais remporter haut la main, nous allons plutôt parler de Neymar, oh là là, qui a commencé à entrer dans un chemin boueux, un chemin rempli de caca. On dirait qu'il est passé dans les fesses de quelqu'un. Vous ne voyez pas son chemin boueux? Vous ne voyez pas comment il est en train de sombrer là-bas en Arabie Saoudite? Oh la vache! Oh là là, Neymar! Le soi-disant chemin du roi. C'est ça où te mène le chemin du roi. Tu n'arrives plus à marquer. Tu n'arrives plus à dribbler. Tu manques les pénalties alors que tu étais le meilleur dans ce domaine. Tu as critiqué le Paris Saint-Germain pour aller jouer dans un autre club où tu n'arrives à rien faire. C'est ça que tu es en train de nous expliquer, Neymar. Quelle décadence. T'es venu. T'as commencé ta carrière à Santos. T'avais une coupe de japonais. Tout le monde ne comprenait pas d'où tu venais. T'étais dans le top 10 des ballons d'or alors que tu jouais même pas en Europe. Tu faisais trembler le cœur des gens depuis le Brésil. T'es arrivé au FC Barcelone. Tout le monde s'est dit, mais c'est quoi ce joueur? Oh la vache! T'es arrivé au Paris Saint-Germain. Tout maigre, tout fin. Puis t'as commencé à grossir. T'as commencé à jouer toute la nuit. T'as commencé à être un trop au Paris Sportif. T'as commencé à manger du grand n'importe quoi. Maintenant qu'on t'a viré, vendu à une autre équipe, tu n'arrives plus à faire, ne serait-ce qu'un geste technique. Non, Neymar, le roi a été déchu. T'as vu comment les Français y sont? Dès qu'il y a une histoire de roi, on lui coupe la tête. Et là, les jambes de Neymar ont clairement été coupées. Mais bien sûr, son talent est parti. Son talent est resté à Paris. Regardez. Oh là là, quelle tristesse. Quelle décadence. Neymar Junior, qui est devenu pourri, qui est devenu du caca, dans un championnat qui est censé être plus faible. Il n'arrive même pas à passer un défenseur. Il n'arrive même pas à marquer un penalty. Lui qui était tellement fort dans ce domaine. Vous ne voyez pas les vidéos qui commencent à circuler où on voit Neymar comme ça en train de, on dirait un camionneur. Neymar qui est fatigué, comme s'il faisait un travail comme tout le monde. Et il est là, il transpire au travail, il est là, oh, c'est dur aujourd'hui, oh là là, je sais pas comment je vais faire. Tu joues au foot, t'es censé t'amuser, mais on a l'impression que t'es en train de faire un travail pénible. On est choqué. On se dit, oh non, mais il faut l'aider. Hein, il lui faut une assistance, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah là 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 là, Neymar, c'est bien fait un petit peu pour toi. Hein. Voilà. Quand on te dit de te concentrer sur le foot, toi, tu vas jouer à la play jusqu'à 8h du matin. Tu t'es pris pour qui? Hein? Tu t'es pris pour un jeune adolescent de 14 ans? Ouais, va faire tes devoirs, là. Ouais, ouais, c'est bon, ouais, t'inquiète. Il a la play dans sa chambre. Il dit, ouais, maman, je fais mes devoirs. Là. Il est là, jusqu'à 8h du matin. Et après, il est trop fatigué pour aller à l'école. Il arrive à l'école, il est comme ça. C'est ça que tu faisais? Hein?